Salutations voyageurs, nous nous retrouvons sur Lord of the Fallen et on est toujours dans les catacombes où nous avons vaincu le champion qui était un gros naze. Sauf qu'il m'a fait galérer 15 minutes quand même. Du coup on va quand même le respecter un minimum. On va dire qu'il n'était pas à la hauteur. D'accord. On a vu un beau spectacle, bien sûr. Les angles de caméra de ce... On revient ? Ah, voilà. Excusez-le. Hein. C'est le stress, hein. La caméra le gêne. Oh, voilà, il va se cacher. Voilà. Il avait pas compris que quand on est filmé, il faut rester devant la caméra. Alors, d'ailleurs, dans l'épisode précédent, j'ai un peu ragé. Parce que le jeu est buggé sa mère. Alors que à l'époque où j'y ai joué, il était pas buggé. Hein. Préparez-vous maintenant. À l'attaque! Ok, il y a moult manants. Voilà, casse-toi, toi. Il est venu comme si c'était une menace. Moi, je vais vous apprendre le respect, moi. Lui. 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 Voilà, ça s'appelle un ménage. Un ménage à quatre. Je suis en train de les doser. Le dosage. Prochaine manche. D'ailleurs, j'avais dit que j'allais pas les faire ça en vidéo. J'en fais un pour que vous compreniez pourquoi je vais pas les faire. En gros, c'est juste des vagues d'ennemis. Hein. Globalement, il n'y a pas de boss ni rien. Ça sert à rien, je trouve. Du coup, là, je le fais en vidéo, mais la prochaine fois, je le ferai pas. Hein. Que ça apporte rien au scénario, on va dire. Après, dites-moi hein, si vous voulez les voir. Enfin, dites-moi. je fais les vidéos tellement en avance que même si vous me le dites, il sera peut-être trop tard. Hein. Le manant. Le manant. Ah, bien joué. J'avoue, je pensais que j'allais toucher avant. Trop tard. Mon perso qui est quand même parti faire une attaque à 3 km de mon ennemi. Un peu comme là. Voilà. Bon, lui, il a l'air un peu perdu. Vous avez fait vos preuves, allez au centre de l'arène. Voilà, vous avez vu, c'est pas vraiment ce qui me passionne le plus. C'est juste un peu chiant. Et on obtient... On obtient... Allô ? On obtient... Drain de vie. Drain de vie. C'est pas une arme. C'est peut-être un anneau. Voilà, drain de vie, armure. Qu'est-ce que ça fait? Aucune idée, c'est pas marqué dessus. Ouais, équiper objet, aide. Ouais. Sélection affiche les détails de tous les objets. D'accord. On peut voir les détails justement de l'objet? De ce que ça fait? Les sorciers, ils reconnaissent déjà 10 pour extraire, ouais, les cobayes, guerriers, ouais. Ouais. Bref, on sait pas à quoi ça sert, du coup je vais reprendre le brise d'eau parce que c'est ce que j'avais de base. Comme je sais pas à quoi ça sert, je vais pas l'équiper, hein.
Est-ce que j'ai de quoi monter un level? Non. On va sauvegarder quand même. Ok, j'ai 7 potions maintenant. Je sais pas ce qui m'a fait augmenter mes potions. Peut-être ce truc justement. Oh, ok. J'affronte Son Goku quoi, il s'est téléporté. Oh là. On attend que ça augmente. Oulé. 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 Bien sûr, le spam reste fort. Hein. Bah ouais. Adieu. Adieu. Adieu, monde cruel. Parce qu'à partir du moment où tu prends un coup, tu peux pas esquiver les deux autres. On est sur PS5, hein, malgré le fait que les habits pop au fur et à mesure, là. Ah, ah. D'entrée comme ça. Bonne esquive, minable. On attend que ça augmente. Voilà, c'est augmenté. Maintenant, on spam. Bien sûr, comme il m'a touché, j'ai perdu de l'énergie. Trop tard. C'est la grosse passion, hein, les combats de... face à ces trucs-là. En gros, soit il part les deux, soit il en part qu'un seul et c'est bon. Oulé, oulé. Voilà, il a perdu les deux, bien joué à toi. Oh, j'ai gagné. Bien joué. Je me suis pris des gifles. Tiens. Voilà, obligé de le prendre. Impossible d'esquiver. C'est la vie que j'ai choisi. Oulé. Oulé. Bon allez, on se casse. Je pense qu'on a vu ce qu'on avait à voir ici. On va retourner dans le monde des démons. Enfin, le monde des démons, c'est comme ça que ça s'appelle ou pas? Aucune idée. Salut mon pote. Non mais laissez-moi tranquille. Ne me faites pas le poids, bande de minables. Non, c'est pas là le portail. Il est là. Je suis rentré dedans en mode. C'est ici le portail? Oui. Oui, bien sûr. Ah mais d'ailleurs, il n'y avait pas un autre portail bizarre là, juste à côté? Je vais aller voir rapidement. Alors attends. On refait un demi-tour. Normalement, ça va être rapide vu que... vu qu'on y vient. Non, ok. My bad. C'est la passion des temps de chargement. Le SSD magique. Le SSD, le Saint SSD magique. T'as franchement, les temps de chargement de Elden Ring sont démoniaques comparés à celui-là. Hein. D'ailleurs, il y a une nouvelle apparemment, Sony va peut-être acheter From Software. Les gens de Dark Souls, tout ça. En vrai, ça serait dommage. Hein. Comme on se retrouve. Pas pour les gens qui jouent à la PlayStation, mais pour les gens qui jouent sur Xbox. C'est un peu comme les gens quand Xbox a acheté Bethesda, c'est ça? Bethesda. Bah, c'est dommage pour les gens PlayStation et From Software, c'est dommage
si c'est Xbox, enfin PlayStation qui la rachète, vu que les gens Xbox pourront pas y jouer. C'est dommage. Bon, après, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Je suis très attentif à ce que je fais, hein, comme vous pouvez le voir. Ça sert à quoi, ça? Aucune idée. Ah, mais attends, il faut lui parler à lui aussi pour les équiper. Bonjour, j'aimerais équiper ce que je t'ai demandé de faire, là. Alors, on va équiper défense physique, dégâts physiques. Je veux des dégâts physiques, puissance d'attaque, voilà, ça c'est bien. Je veux des dégâts physiques maximum. On va prendre ça et ça, on va en mettre deux là. Y'a pas mieux? Y'a pas l'air d'avoir mieux. Bon, on passe à 169 de dégâts. Ce qui me paraît acceptable. Bon, maintenant, faut chercher la suite. La suite du jeu. Oh, nice. Je sais pas ce que c'est, mais... Bouteille vide, ok. Bon, peut-être pas nice, du coup. Une bouteille remplie de pisse. Qu'allez-vous faire avec cet item légendaire? Je vais la vider dans les toilettes. Oh oh oh, le one shot était vénère là. Est-ce que... Non. Je me suis dit, est-ce que Sésame ouvre-toi? Non. Non, non, non. Verboten. Voilà. Pardon, j'ai cru que j'allais te one shot. Te one shot. Voilà, je sais plus parler, hein, désolé. Après, vous l'avez remarqué depuis le début, hein. J'ai jamais su parler de ma vie. J'ai vraiment raté ça la première fois où je suis venu. Apparemment, oui, hein. Plaine abandonnée. Ok, le chétan encore. Ah dommage, j'ai cru que j'étais à bonne distance. La magie! Ok, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas tripler mes dégâts, hein. Ça doit être un coup critique que j'ai fait. Oula. Oula. Les sauts sont pas... Je vais mourir. Hein. Spoiler, je vais mourir à cause d'un saut très mal fait. C'est pas les sauts d'Elden Ring. Hein. Ça fait peur, hein. Ça fait peur vu que... Vu qu'il est où pas lui qui va. Bah ouais, forcément. Forcément, j'ai mis un petit coup pour frapper l'araignée et du coup, il a dans le mouvement, il est mort, quoi. Chez Thanos. Oula, ne bug pas chez Thanos. Ah, dommage. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour refaire un tour là où on est mort. En espérant faire de meilleurs sauts. Pas convaincu de ce saut. Ah.
Bah ouais, suicide-toi. Hein. Il est encore bugué, hein, je l'ai vu. Hein. Enfin, je l'ai entreaperçu pour être plus précis. Vu que j'ai tourné la tête au mauvais moment, hein, globalement. C'est vraiment dommage, on a raté un truc de ouf. On met des gros coups hein, quand même. Hein. Comme quoi, bourrer la force. Hein. Je sais pas, je me suis dit sur un malentendu. Sur un malentendu, je tire sur la porte s'ouvre. Hein. Oh, il y a un coffre. Arrogance, un bâton, on ne l'équipera jamais. Bah comme toutes les armes que je loot, hein, globalement je mets juste la meilleure, hein, celle qui fait plus de dégâts. Là c'est celle-là, du coup j'équipe celle-là. Hein. Je vais pas plus loin. Hein. Je vais pas faire des bulles de ultra poussées. Hein. Ah. C'est le problème, je dirais, des sauts de ce jeu. Hein. C'est que saut roulade. Ah, il est pas mort, ok. Je l'ai pas maintenu, c'est peut-être pour ça. Je l'aurais maintenu, il serait mort. Bon, on va aller rechercher nos âmes. Oh, j'ai eu peur, non, ça va. Allez, un bon saut. Parfait. Un autre. Parfait. On devient bon, hein. On devient beau, bon à Mario, pardon. Je joue à Mario. Dans Lord of the Fallen. Je sais pas où il est, le prochain boss. Je me souviens même pas combien il y a de boss dans ce jeu, il y en a pas beaucoup je crois. Je crois que le jeu est très court. Hein. Je crois qu'il y a 4 zones, là c'est la deuxième. Ouais, je sais plus. Oubliez ce que j'ai dit globalement. Oubliez même ma première phrase, hein. Je sais plus du tout à quel point il est long ou pas. Je crois qu'il est court. Parce que je sais que je l'ai fini 4 fois et que malgré le fait que j'ai fini 4 fois, d'après mon compte PSN, j'ai 37 heures de jeu dessus. En ayant fini le jeu 4 fois et en cherchant des heures après des parchemins que j'ai jamais trouvé pour le de platine. Et j'ai pas trouvé les parchemins, enfin les 60 parchemins. Pour le platine, je me souviens qu'il y en a 60. Hein. Voilà. Alors globalement, on touche, on tue. Hein. C'est assez agréable. C'est assez agréable de se savoir puissant. Par contre, en termes de défense, on est naze. Hein. En gros, on a notre sort, pardon. Le hockey. Hein. Le hockey au mauvais moment. Écartez-vous, minable.
Oh, salut. Ah, il est pas mort. Ah, ok. Bah ouais. Non mais c'est bon, stop. Il donne juste des coups de poing au sol. En vrai, bon, il faut que je vais détruire son truc là, sinon il va régénérer à l'infini. Alors il est où son truc? Voilà. Le bruit était pas ouf, hein, de... Ouais, ouais. Mais bon, pour rappel, je t'avais one shot, hein. C'est juste que le jeu triche, du coup, t'es pas mort. On va aller garder les fragments de mana pour le dernier boss. Pour le dernier boss, ou alors on va oublier de les utiliser, du coup on le gardera pour le New Game Plus 28. Vous pouvez y aller, ça, il y en a masse, hein, les trucs d'énergie là, dont je me servirai jamais. Sésame, ouvre-toi. T'as rien, c'est juste mon chat. Mon chat qui monte sur le radiateur, forcément. Pour mettre son cul au chaud. Ah, dommage. Ok, bah tout va bien du coup. Honnêtement, j'ai cru qu'il allait l'esquiver, mais non. Ça pue le boss là, hein, en bas. Tant mieux, hein. J'aime bien faire un boss au moins dans une vidéo. Ce coffre est verrouillé. Ce coffre est ouvert. Non. Non. Et ça fait quoi ça exactement là? Oh, il y a un truc de forgeron là. J'imagine quand on va tuer le boss, le mec, le forgeron va se TP là, là. Vous allez voir, hein. Ah, ok. Ok, my bad. Regardez la vitesse. Je suis la vitesse. Caméra. Une armure, l'armure de ruse. Quelle... Il y a un levier quelque part. Non. Non, il n'y a pas de levier quelque part. Tu es un menteur, Harry. Alors attention, si ça bug, je vais chier par terre. Ok. J'ai cru que c'était un dialogue, my bad. Du coup, on attendra avant de chier par terre. On va attendre qu'il y ait un vrai dialogue pour voir si la voix existe. Ou si elle a pris des RTT. Ah, nice. Ah, nice. Ça, heureusement, je suis pas un rageux. Nice.
Je vais mourir, hein, mais c'est pas grave, c'est la vie. Mais si je meurs, c'est parce que le jeu me déteste, hein, globalement. Voilà. Le jeu ressent que de la haine pour moi, quoi. Que de la haine. Oh, haine. Mille âmes, waouh. On va y retourner en vitesse grand V du coup. Non, c'est pas par là. Ne vous inquiétez pas, j'ai un sens de l'orientation infaillible. Lol. Parfait. On est bon. Attends, j'ai une idée. Ah dommage, j'ai cru que j'allais esquiver tranquille. Comment oses-tu me toucher et aller en arrière comme un connard? Assume. Tu m'as touché, maintenant meurs. Attends, on va aller la voir là-bas. Ok, il y a un point de sauvegarde. La sauvegarde. Je vais même pas chercher à comprendre. Hop, plus 1 en force. Ok, ça va se libérer à la mort du boss du coup. Le boss est là? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Infiltré. Ça fait mal au cœur de voir des 80 au lieu des 400 là. Pourquoi je peux pas utiliser ma magie? Ah, ils me volent ma magie. Cette catin. Ah non, c'est le puits qui me vole la magie. J'ai vu mes petits trucs de magie s'enfuir là. Ok, il faut s'enfuir du puits, pardon. Ah, my bad. Je suis mort avec toutes mes potions de soins. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est par là? Non, c'est par là. Non, c'est... J'étais bien parti. C'est là où il y a l'archer, le boss. Aïe. Tiens. Ah d'accord. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Voilà. La magie. Ah. On va se soigner quand même, hein.
On va essayer de ne pas mourir encore une fois avec toute notre magie. Enfin, nous, tous nos potions de soins. Attends, j'ai une idée. Ah, dommage. Je l'ai eu trop tard, mon idée. La magie! La tartine! Oh, les dégâts qu'il a pris là! En vrai, il est gratuit comparé à l'autre, non? Censé faire l'autre après. D'accord. Ah, la phase 2 peut-être. Non, il se casse. Oulé, oulé, oulé. Le pouvoir est à moi. I have the power. Je suis bien plus puissant que jamais. Je suis Ardyn, le terrible. Infiltré. Je m'infiltre sous vos ongles. Ok, il y a la la magicienne, la voleuse. Et il n'y a rien d'autre. Milady. Pourquoi tu regardes au sol? Oh, une arme d'Ast, jamais, hein. Alors ça, je dois avouer que c'était impressionnant. Merci, l'entraînement, ça paie. Merci, oui, madame. Oui, parce que c'était une promenade de santé de me coltiner ce type. J'aurais pu m'en sortir. Ma foi, au vainqueur, le butin. Je vais prendre ça comme souvenir. Qu'est-ce que vous comptez faire avec toutes ces tablettes? Vous en avez beaucoup trop. Je vais vous aider. Tiens, je te le donne. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. À plus tard. Je pense qu'elle a et voulu, mais je lui donne. Serpent. Les tablettes. Je sais même pas ce que c'est. Hein. Oh, élan. Il m'a coupé dans mon élan. Ça fait quoi, ça? 16 en critère en force. Elle est largement moins bien que la mienne. Ma hache. Oh, j'ai eu des meilleures armures. J'ai le stuff légende vivante. Voilà, parfait. Oh, je suis beau comme ça, je suis beau comme un camion. On peut même mettre un bouclier pour abuser, ouais, c'est bon. Ça me dit quoi là, les roulades? Tout va bien. Je suis... totalement beau gosse. Y a rien d'autre? Bon, y a le gantelet. Y a un gantelet un peu meilleur, mais ça, on s'en fout. Hein. Enfin, on s'en fout. Ça ne m'intéresse pas. Octroie un point d'attribut encore. Augmente la résistance à la foudre, au poison. Ouais. Là, y a les runes. Les objets clés, les bijoux. Faudrait que je sache à quoi ça sert. Aide. En fait, j'aimerais... les objets de catégorie grâce à la roue, selon trois modes, triangle en appuyant sur triangle. D'accord. Bah ouais, mais on voit pas les stats que ça donne. Bref, on s'en fout. En avant. Clark. Ta gueule. Cluck, pas tuer roi. Donne-moi une bonne raison de pas te tuer, séance tenante. Ikra, récompensez-moi. Vous, Cluck. Donne. Une récompense. Pourquoi? J'écoute. Cluck, roi. Apportez Khorne. Cluck.
Par contre, parle normalement, sinon je te tue dans 3 secondes. Pourquoi as-tu besoin de crâne humain ? Faire ! Ok, je m'en charge. T'as intérêt à me donner des bons trucs, hein, parce que ta vie ne tient qu'à un fil. J'en ai justement avec moi. Ulrich Bouk Kran La La Boucle. Alors, il m'a donné un écu. Un écu. J'avoue, pas mal, hein. En fait, il y a littéralement... Le bouclier du commandeur, il y a littéralement rien de mieux, en fait. Genre, celui-là, il est 100% mieux. En plus, il est plus léger. Je vais continuer. Ok. Arrête, arrête de dire crook. Tu m'énerves. Ta gueule. Ah, ça nous ramène ici, ok. Clock. Arrête. Clock. T'as de la chance que... On sait jamais que... Je sais pas ce que tu donnes comme item. Mais on sait jamais, du coup je le tue pas, mais j'en ai très envie, hein. En termes de parade, ça a l'air pas mal. En plus, j'ai l'impression que ça utilise moins d'énergie. Ou alors c'est juste moi qui me... fait des idées. Ah bah oui, classique. Ah ouais, tellement loin en plus. Voilà. Il y a un bruit étrange, non? J'entends un bruit étrange. Le bruit étrange a disparu. Oulé. Oulé. Je me suis plein d'un bruit étrange et d'un seul coup il n'y a plus de bruit. Bruit étrange into austérité. T'as une gastro? Vite, sortez-le de là. Que faites-vous ici? On a vu une porte rutilante en échappant au regard. Et on est passé à travers. Difficile de faire pire que ça. On ne peut plus rentrer, et le capitaine ne nous pardonnera jamais. On est pris au piège. Vous vous êtes enfui, bande de lâches, et si... Et c'est ici que vous vous êtes réfugié, bande d'idiots. Vous avez échappé au regard en venant ici. Et puis comment vous vouliez qu'on sache où on allait arriver? Vous ne pouvez pas rester là, que lui est-il à... Oh, il y a un mec derrière, d'ailleurs. Que lui est-il arrivé? Cet endroit regorge de monstres qui l'ont bien amoché. Si on ne le soigne pas très vite, ils sont larges. Mon bon seigneur, vous avez bien une potion en réserve. Tenez. Voilà qui devrait faire l'affaire pour l'instant. Vous feriez mieux de partir. On se dirigeait vers la tour, près du pont, celle de droite. On voulait s'y cacher, mais elle grouille de démons. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. T-
Putain, c'est tellement chiant que ce soit triangle pour changer d'arme et triangle pour parler aussi. Vous revoilà. Vous nous avez ouvert la voie ? Pas encore. Je vous en prie, faites... Ok, j'ai cru qu'il allait me dire un autre truc. Mais c'est tellement chiant qu'il y a une touche pour faire 3-4 trucs. Alors il m'a dit ouvrir la voie vers je sais pas quoi là. Vers quoi exactement? Ça le problème, je sais pas où il veut que j'ouvre la voie. Retrouver Antanas, ok. Au monastère, du coup, faut que je retourne chez les vivants. Entre guillemets. Non, là, on y a été. Voilà. Attends, il a disparu ? Ouais. Ouais, il a disparu. Il est parti dans le néant après mon coup, quoi. Ah. Ah. Qu'est-ce qui bloque exactement, là ? Oula. Le jeu a des petites phases. La gifle. Un film qui existe. Qui a le mérite d'exister. Bon, on va descendre là. Salut. Bah ouais, bien sûr, c'est exactement lui que je voulais cibler. En plus. Je rage pour pas grand chose, j'avoue. Oh le... D'où tu te soignes, toi? Mais juste, c'est un peu agaçant, les lags. Enfin, les lags. Les... Il y a beaucoup de choses d'agaçantes, hein, dans ce jeu. D'agaçant. Ce coffre est verrouillé. Ce coffre est verrouillé. Bah, on se casse, hein. Je sais pas ce que c'était, ce bruit. Certainement des rats. Ok. On peut pas aller là-bas, vu qu'on a tout tué, là. Entre guillemets, plutôt. Vu qu'on a tué un boss, je me dis, peut-être ça a libéré la voie. Attends, hop, le... Oulé. Tac. Tac, tac, tac. Je croyais qu'il y avait un boss par ici, là. Là où on est, exactement. Comme quoi, mes souvenirs sont pas ouf, hein. Non, pas encore. On n'a pas encore le droit. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit au bonheur. On va aller voir le forgeron. C'est ça que vous cherchiez ? Non. Voyez-vous, il me cherchait. Et voilà qu'il m'a trouvé. Il m'aidera à traverser les dimensions. Vous? Non. Moi, oui. Si vous avez besoin que je vous forge des rues, je serai à votre disposition. D'accord. D'accord, mon ami. Non, attends, j'ai foiré. Comme on se retrouve. En gros, ça sert à quoi ça? Ah ok, en gros j'utilise de l'énergie, enfin de l'expérience pour améliorer le truc.
Et du coup, j'ai ça à la place. Un truc légendaire. Un truc légendaire qui me fait perdre des dégâts, ok. Faut pas l'équiper du coup. Bizarrement. Bizarrement, on va pas l'équiper. Là, il y a ça. Attends, c'était combien mes dégâts? 169. Admettons, j'équipe ça là. Ça me donne combien? 169 toujours. Légende vivante, je peux mettre un truc. Puissance d'attaque. 169, ok, je suis pas rancunier. Hein. Du coup, c'est puissance physique hein, qu'il me faut. Échelle d'attribut, c'est-à-dire. On va le mettre. Hein. Vous savez, moi, je cherche pas très loin. Dégâts du poison, parade, puissance d'attaque. Dégâts physiques, plus 2. On va mettre que des dégâts physiques plus 2 du coup. Bah non, ça augmente pas non plus. Bah on va mettre puissance d'attaque alors. Voilà, on va mettre ça. Voilà. Et du coup, il n'y a aucune différence, c'est ça? Ouais. Parfait. Peut-être ça va se voir en combat. N'empêche, beau gosse, hein. Je me souviens que j'avais fini le jeu avec cette armure. Mais peu importe avec quelle race, enfin avec quelle classe je commence le jeu, en gros j'ai fini 4 fois le jeu, 4 fois j'ai fini le jeu avec cette armure. Ce qui veut dire que que tu joues voleur, moine, guerrier, ça change rien. À la fin, t'as toujours les mêmes équipements. Enfin le même équipement pour moi, pour le coup. Après moi je suis un bourrin, tu vois. Arrête. C'est gênant, monsieur. Nice. Un point d'attribut. Hop là. Bizarrement. Si tu veux une potion, c'est mort. Pour ça, c'est trop tard. Ma foi, c'est un bon endroit pour mourir. Que s'est-il passé ici? Nous sommes enfuis par les catacombes. Il y a un ancien tunnel qui mène à la cave de la citadelle. Je ne m'en suis pas sorti. Les autres ont sauté dans un portail ouvert. Vous êtes allé de l'autre côté? Pourquoi? J'ai arrêté les attaques des rogueurs. Alors il nous reste un espoir. Vous devez en informer Antanas. Peut-être qu'il arrêtera. Enfin... De... Quoi? Traverser les... catacombes... à Antanas. Vous... devez... Vous devez... La citadelle, ok. Traverser les catacombes... Les catacombes, c'est là-bas. Cimetière. Laissez-moi passer, bon sang. Ne faites pas le poids, voyons. Mais... Pourquoi tu me laisses pas l'option de partir, en fait? Je déteste le jeu. Bah ouais. Bah c'est sûr que ça se passe comme ça, en fait. Le triangle qui s'en va et j'ai pas le droit de m'en aller.
Le jeu qui décide. Et ça me casse les couilles. Ça le tue pas, ça fout le seum. Voilà. Allez, la vengeance. Viens t'attaquer, toi. Tiens. Perds 99% de tes PV, voilà. C'est lui qui m'a tué, hein. En fait, c'est par rapport à comment je positionne la caméra, c'est ça ? Qui ne veut rien dire. Bon, c'est ici les catacombes. J'ai pas fait attention à comment ça s'appelle. Vous savez quoi, on va faire demi-tour. Juste pour voir le nom s'afficher. Parce que j'ai pas bien regardé. Ce coup-ci, je vais ouvrir les deux yeux pour voir comment ça s'appelle. La zone où on est. Voilà, là c'est cimetière. Et maintenant, il existe trois vitesses de déplacement. Oui. Catacombe ? Non, il n'y a rien de marqué. Ils auraient pu marquer nique ta mère, ça aurait été pareil. Voilà. Voilà. Bon, le voilà a mis du temps à arriver. Hein. Ok, le puits de la mort. C'est peut-être pas ici les catacombes. Hein. Selon moi, c'est ce qui ressemble le plus. Full parade. Voilà, enfin. C'est vrai qu'il y a ça là. C'est vrai qu'il n'y a pas que cet ennemi. J'oublie souvent qu'il est pas seul quoi. Ah, bien joué. Bon, en tout cas, je suis rassuré. Parce que je pensais que le jeu était full buggé, mais en fait, c'est juste une vidéo où il y a eu full bug. On n'avait pas eu de chance, hein. Celui-là va m'agacer, hein, je le sens. Je le sens gros comme une maison. Les deux autres, ça a été, mais celui-là... Aïe, aïe, aïe. Ok, parfait. Elle est verrouillée. Pourquoi pas, hein. Ça me paraît. Il y a eu un truc, non? Il n'y a pas un truc qui s'est affiché? Non, c'est peut-être une illusion. Une illusion de mon esprit. Bah ouais. Depuis quand il spamme comme ça, lui? Je le vois, hein. Voilà, quand même.
Du coup, c'est ici les catacombes ou pas? On va sortir pour voir le nom de la zone. Parce que j'ai pas été attentif encore une fois. Encore une fois. Tour de Garden Sud. Et ici, comment ça s'appelle? Comment s'appelle cette zone? Cercle de cellules, ok. Du coup, c'est pas ici les catacombes. On va ignorer, on va ignorer. Ça m'énerve, hein. Chaque coup qu'il me met, c'est un énervement de plus. Voilà. Dommage. Pas loin du one shot. Voilà. Parfait. Eh, hey, par ici. Ah bah c'est là la catacombe du coup. Par ici, j'y avoue. Qu'est-ce que c'était? L'important, c'est qu'il soit mort. Antanas vous autorise à entrer. Cette porte vous conduit à la citadelle. D'accord. Et en fait, j'étais censé tuer le boss à ce moment-là. Ok, ok, my bad. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va prendre la porte après, juste je visite. Hein. Nice, du scénario. Oui, bon, c'est vrai. Je dois avouer que j'ai commis une erreur. Oui, j'ai volé quelque chose. Non par nécessité, mais par cupidité. Je n'étais ni affamé, ni à l'agonie. J'ai volé. Par convoitise pure et simple. Mais est-ce suffisant pour m'emprisonner de la sorte? Ils conçoivent le mal comme un absolu. La moindre faute est diabolique. Ce simple vol me rend-il mauvais? Oui. Oui. Tu es condamné. Vous êtes condamné, monsieur. Bon, bien sûr, si je fais demi-tour, c'est parce qu'on a déjà visité le reste, hein. Bon, ok, c'est là qu'on va terminer la vidéo. Est-ce que t'as un truc à dire? Cette porte conduit à la citadelle. Ok, ok. Bon, dans la prochaine vidéo, nous pénétrons dans la citadelle et nous verrons ce qui va s'y passer. Cette vidéo était sympa et je suis assez heureux de voir cette armure. Je l'aime bien. Et on va terminer le jeu, hein, vous inquiétez pas. Dans la dernière vidéo, j'ai dit que j'allais peut-être arrêter le jeu s'il continue à bugger. Et comme vous avez pu le voir, ça va, les bugs ont arrêté. Du coup, à très bientôt pour la suite. Au revoir.